On a des boîtes en fer qui nous servaient aussi pour percussion. Et il y en a plus précisément un son crapaud, plusieurs sons qui nous ont fait aussi. Alors, ce moment des boîtes faciles à faire, on a un creux dedans. Sorti plus précisément à Rodrigue, petit clin d'œil à Rodrigue. Et voilà mon montage de ce son, ça veut dire. C'est-à-dire nous avons servi ce son grave, c'est-à-dire nous boostons. Il y a un son un peu plus grave. Puis nous ouvrons la main, il y a un son plus aigu. Ça, dès la moukla, c'est une affaire qui est bien pratique, facile à faire. Et je dis, c'est de prendre la mouk. Je vais faire un creux là-dedans. Ok? Mais je trouve qu'il y a plusieurs creux. Ensuite, nous sommes capables de faire des comment nous percussions. Toujours dans Rodrigue même, on a découvert un instrument qu'on appelle mayoche. C'est-à-dire des bouts de bois qui nous servent pour faire une clave. Et comment je peux taper la main. C'est mayoche. Qui est facile à faire. J'étais là pour gagner des bouts de bois. Je fais sa dimension là, sa forme là. Je polis. Et j'ai gagné un instrument. Mayoche. Et ça, l'instrument là, comme j'ai trouvé, il n'est pas trop ancien. C'est fabriqué par Morclin Antoine en 2012.